Les sauveteurs tentaient toujours de retrouver d'éventuels survivants après l'effondrement d'un immeuble dans la nuit de samedi à dimanche à Douala, la capitale économique du Cameroun. Le nouveau bilan du drame fait état d'au moins 33 morts et 21 blessés, dont 5 en urgence absolue. Parmi les victimes figure une fillette de 3 ans. Les responsables hospitaliers soulignent que ce bilan pourrait s'alourdir. En 2016 déjà, un drame similaire avait causé la mort de 5 personnes dans la même ville. Le non-respect des normes architecturales avait été pointé du doigt par les autorités locales. En juin de la même année, elles avaient identifié 500 immeubles menaçant de s'effondrer. Pour l'heure, les causes du drame restent inconnues.